des graines de cacao. Puis, ben, celle-là, c'est qu'ils vendent des cabosses de cacao comme ça. Puis, ben, nous autres, on en a acheté une pour voir si c'était fait comment dedans. Puis, ils nous ont expliqué comment faire sécher les graines. Puis, après l'avoir cassé, les graines qui sont dedans, il faut les laisser sécher au soleil pendant 3 jours. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire, Raphaël, après que les graines soient séchées? Ben, on va essayer de faire du chocolat. Puis, ben, après ça, on va le manger. C'est, on prend des... ça pousse sur l'arbre. On prend des graines de cacao moulées, puis on rajoute du sucre. Il y en a une autre ici. Mais par exemple, les cacao, il faut les moudre. Puis après ça, on rajoute du sucre. On va faire des expériences, hein, pour voir si on est capable d'en faire. Mais par exemple... on n'a pas les outils, les instruments pour le faire. Par exemple, les roses sont pas prêtes, c'est les jaunes les plus belles. Elle est plus grosse aussi, elle est beaucoup plus grosse. Ouais, parce que tu sais, on voit que les autres, là, tu sais. Mais elle, d'après moi, elle va être bientôt prête. Là, on est dans quel pays ici, là? On est au Guatemala. À Semuchampe. On va casser la cabosse. La madame nous avait dit soit on le cassait sur une roche ou on le cassait avec un couteau. Si on le cassait sur une roche, elle allait la casser comme ça. Puis si avec un couteau, ben c'est plus comme ça. Sur la ligne? Ouais, sur la ligne, à cause que c'est ici que les noix de cacao sont. On pense que dans chaque ligne, comme il y a une rangée de cacao, disons. De graines. Puis il y a 10 lignes. Fait qu'il y en a trois. Vous l'essayez? OK. Ah, c'est vrai? C'est comme un melon ou comme une citrouille. Avec moi, tu coupes là. C'est vrai que. Le dessus ici. À 3. 1, 2, 3. Qui on a son nom? Wow! Ça ressemble à des gousses d'ail ou. Ben oui! C'est bien drôle! Wow! Fait que vous enlevez les noix, puis on va les faire sécher au soleil. Ah, ça fait comme les graines de citrouille, si là, un peu. Touché. Oh, c'est ça ressemble à des graines de citrouille. Gommé, visqueux. Oh, pis, oui, très visqueux. Regardez, dans le milieu, c'est mauve. Hein? C'est OK, vrai? On l'a coupé. Ouais. Hein? Hein? Hey, oui, ici aussi, on a du mauve. C'est l'autre moitié. Ah, tiens, je pense qu'on l'a vidé, là. C'est tout vraiment attaché à un... C'est ouais. Vraiment... Ouais. Ça, c'est dur. Il y en a long, c'est dur, là, dans la cabosse. Seigneur! OK, il y a ici, là, la croûte. C'est la petite affaire ici. Ici, hein? Oui. C'est ça. Ça n'en donne pas tant que ça. Les graines sont devenues séchées. Maintenant, on va essayer de faire du chocolat. Puis aussi, on disait, c'est... Avant, c'était mauve, mais là, c'est rendu noir. Et on va le... L'écraser. L'écraser. Moi, je pense qu'il faudrait le cailler, là, mais... On verra rendu là. C'est pas encore gagné, en tout cas. Faites les tests. OK. On va sortir ça, puis ça aussi. J'arrive à avoir des miettes. Hey, moi, je réussis, là, regarde. Je vais avoir réussi à éplucher la feuille. Moi aussi. Moi aussi. Attends. Je vais le couper en espèce de rondelle. On va essayer de les faire avec mes mains. Ah, oh, je l'ai! Je sais pas si on pourrait essayer de le faire fondre. Ouais. Le faire cuire en rachetant du lait peut-être? Je sais pas si ça va fondre, par exemple. Hop!
Ben, t'as un peu le même sort. Moi, j'ai trouvé une bonne façon, là. Vous les coupez en morceaux, puis ensuite, vous prenez une cuillère, puis vous les foirez. Ben, moi, je l'ai grainé. Ok, comme ça. Tout est épluché. C'est la plure. Les graines, là. La plure est molle. Puis, ça aussi, c'est comme. La texture est dure, mais en même temps, elle est molle. Genre mon oncle, puis ça. C'est comme une petite entaille. Ben moi, j'essaierai avec la poêle. Puis, si ça fond, je rajouterai du lait. Alors, ça, je me souviens qu'ils ont dit du sucre. Là, on essaie. Ben, c'est pas étendu, là. Fait que là, on essaie de faire fondre, c'est ça? On va mettre un peu dans le milieu. Prends avec une cuillère qu'il y a là, la cuillère noire ou. Ça pétille. Ça va faire comme des noix. Comme des noix qu'on chauffe. Peut-être si on rajoute genre du lait, puis ça va faire plus liquide, puis là ça va bouillir, puis là ça va. Pour ma manière d'être aussi, là, pas vraiment bien. Mm-hmm. En tout cas, c'était chaud. Ça fait du lait avec du chocolat dur. Là, si vous essayez de réécraser ces noix-là, là, qui ont cuit. Ah oui, ce serait une bonne idée, ça. Okay. Tiens. Là, vous l'écrasez avec des cuillères. C'est encore dur, là. Là, on va prendre des miettes de cacao, puis on va les mettre dans le chaudron. On va rajouter du sucre et de l'eau, puis on va voir ce que ça fait, là. Ah, ben explique les trempages. On a aussi fait tremper des graines de cacao et du lait durant une heure, puis des graines de cacao avec de l'eau durant une heure. Puis, en conclusion? Ben, rien. Ça n'a rien donné. Ça a comme. Ben, est-ce qu'on rajoute du lait, quelque chose là-dedans ou juste on fait chauffer? De l'eau un peu. Et tu ouvres, Laurent? Non? Attends, non. Attends, faut, ça prend une allumette. De l'eau en masse. Tourne à gauche. Pousse dessus un peu. Là, tu le lâches, Raph. Faudrait faire comme du popcorn, tu sais, brosser des fumeurs. On va te faire cuire. Comme du quoi? Popcorn. On le sait pas. En tout cas, ils ont été vraiment chanceux, ceux qui ont découvert le chocolat, de tomber là-dessus. On dirait la bébite, là. Là, là. Noir, non, c'est pas la même. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment trop noir, là. Fait que peut-être rajouter un peu de lait. Moi, je vais essayer d'avoir. Ah tiens, voilà ce que j'appelle du chocolat. Mais... Il ressemblait plus tantôt. Ouais, non, c'est noir comme les. C'était noir. Hé! Hey! Ben non, c'est une joke. On n'a pas réussi à faire ça, tu sais. Ça se peut pas. Ah! Là! Mais regardez, on moule la chose. On moule le ça. Chocolat. Merde, c'est du chocolat. Attends, pas de manger ça. Ben, pas tout de suite, là. On va laisser refroidir un peu là. Attends, là, ce qui est chaud. Et on n'a pas réussi à faire ça. Le résultat a été plutôt moyen. On en est comme ça. Et ça, c'est notre chocolat fait maison. Les voyez goûter? Notre chose. Ah, c'est mou encore.
On peut tout à l'heure, on devrait de la cendre. 1, 2, 3. De la cendre de crème. Hé, hey, hey, c'est pour ça être bon, là. Souriez, souriez. Oh, ça goûte le vomi. Ça goûte la poubelle. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud.